Et il y a trois événements, trois moments forts qui ont marqué les trois mois que nous venons de vivre. Des moments qui nous rappellent aussi pourquoi nous sommes ici ce soir, qui nourrissent le sens de nos combats, de notre combat pour un monde meilleur. Le premier moment qui m'aura marqué, et je pense vous aussi, c'est la photo d'Aylan, mort noyé le 2 septembre, à l'âge de 3 ans. Une photo qui a bouleversé le monde entier, qui a suscité de grands élans de solidarité. Et alors nous avons dit, plus jamais ça. Combien d'enfants sont morts depuis, avec leur famille, en essayant de trouver un endroit où se poser, où reconstruire une vie, où vivre tout simplement. On lisait dans la presse récemment que le Canada avait accordé le droit d'asile à la famille d'Aylan et qu'il avait mis en place un couloir aérien pour rapatrier 15 000 réfugiés syriens d'ici fin décembre, 10 000 en janvier. Et en France, que faisons-nous? Et en Europe, que faisons-nous? Nous négocions les fermetures de frontières avec la Turquie. Alors, plus que jamais, je veux que la région, que notre région, se mobilise pour devenir une véritable terre d'accueil, que nous poursuivions notre engagement pour les jeunes apprentis et lycéens sans papier, que nous allions au-delà pour que notre territoire, nous puissions en être fiers, que nous partagions plus qu'une région, mais que nous partagions bien plus et que nous partagions avec le monde. Je vais vous faire un aveu. Moi, j'avais parié que l'État ne bougerait pas d'ici janvier. Parce que pour moi, c'était tout simplement une question de bon sens. On n'allait pas mettre le dawa sur la ZAD pendant les élections régionales. J'ai perdu ce pari. Parce que tout simplement, le bon sens dans ce dossier, il n'y en a pas beaucoup. Et que vaut le bon sens face à l'ambition d'un Premier ministre qui a comme credo la pente sécuritaire et la dérive autoritaire? Avez-vous entendu, vous, M. Valls, expliquer en quoi ce projet de nouvel aéroport serait bon pour notre territoire? Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Chacune de ces interventions reflète son besoin d'affirmer son autorité. Mais alors, un nouvel aéroport, ça ne fait pas un petit peu cher pour la séance d'autosatisfaction sur fond de plan de carrière? Une politique que pratique aussi Bruno Retailleau, le candidat de la droite. Lui non plus, on ne l'entend jamais sur le fond du dossier. Par contre, il s'y connaît pour attiser la flamme sécuritaire. Mais attention, un jour, ce sont les libertés publiques, c'est notre démocratie qui risque de s'y brûler. Face à ces annonces, en tout cas, notre mobilisation, elle est restée entière. Nous avons montré notre détermination, notre solidarité, notre engagement au service de nos convictions. Alors aujourd'hui, je tiens à saluer l'action des élus nantais qui, avec courage et force, ont quitté le conseil municipal. Je tiens aussi à remercier notre secrétaire national, Emmanuel Cosse, nos parlementaires, Cécile Duflot, Noël Mamère, notre porte-parole, Julien Bayou, qui n'ont pas hésité en 48 heures à s'organiser pour venir sur le terrain, pour affirmer leur soutien à notre campagne, leur soutien aux écologistes, mais aussi et surtout, et ça c'est le plus important, leur soutien aux valeureux qui défendent la ZAD et ses habitants dans la désobéissance si nécessaire et toujours dans la non-violence. Et je rappelle... tous les actes de violence sans ambiguïté, tout simplement parce que cette violence, elle dessert
pas écologiste. Alors, les écologistes, ils ont une caractéristique, c'est la méfiance. Je le sais parce que je le suis aussi. Alors, ce soir, c'est encore mon rôle de vous rassurer, parce que je sais que vous en avez besoin, qu'il y a des négociations qui approchent. Ma détermination contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, elle reste intacte. Ma volonté, elle est inchangée. Et j'ai la conviction qu'en 2016, c'est une année charnière. Et pour cette seule conviction, je ne lâcherai rien, on ne lâchera rien. Il n'y aura pas d'accord avec le Parti socialiste s'il n'y a pas enfin une étude indépendante sur l'optimisation de l'Atlantique. Cette étude qui a été confisquée au débat public dans les années 2000. Et je vais vous avouer quelque chose, il y a une autre raison pour laquelle je vais tenir bon, c'est que j'ai aucune envie de me faire botter les fesses par Julien Durand. Il y a un troisième moment qui a profondément marqué cette campagne. Ce sont les attentats du 13 novembre. Alors, que dire qui n'a pas déjà été dit ou pas déjà été écrit? Depuis, moi, j'y pense tous les jours. La semaine qui a suivi l'attentat a été une des plus dures de ma vie. Je me sentais les jambes coupées, endeuillée, comme projetée dans une dimension inconnue où règne tout à coup le doute sur la nature humaine, sur le sens de nos vies. Moi, vous le savez, je fais partie des incorrigibles optimistes, certains me le reprochent. Et je pense en tout cas que la nature humaine, elle est profondément bonne, que la vie humaine est un cadeau précieux. Bien entendu, je les vois, les guerres, les actes terribles qui sont perpétrés partout dans le monde. J'ai conscience des horreurs dont l'humanité est capable envers des femmes, des hommes, des enfants. J'ai visité des camps de concentration. J'ai pleuré. Je lis, je regarde des reportages sur la guerre et je pleure. Malgré cela, j'ai toujours rejeté l'existence du mal. Mais le 13 novembre, j'ai été ébranlée dans mon intime conviction. Et je vais être travaillée encore longtemps par cette blessure, une blessure de l'âme. Malgré l'horreur, dès le samedi matin, il a fallu se remettre debout, relever la tête. Parce qu'au milieu de l'action, il y a une conviction qui est restée intacte. Notre projet, les valeurs que nous portons, sont la seule issue pour faire face à la barbarie. Construire un monde solidaire, se battre jusqu'au bout pour ça, un monde où nous nous tenons la main, où nous faisons ensemble, un monde qui offre des perspectives à chacun, chacune, des perspectives d'un monde commun, d'un monde désirable. Ça, c'est la priorité. Car la solution, ce n'est pas le repli sur soi, ni le tout sécurité, sur fond d'abus et d'arbitraire. Et ce soir, je demande à la France de suivre l'exemple de l'Italie, du gouvernement de Matteo Renzi. À chaque euro investi dans la sécurité, il faut un euro investi dans la culture. Nous avons choisi de le faire
situation, dans la conviction que nous pouvons ensemble construire un monde meilleur. Oui, quelqu'un disait qu'on ne l'était pas, mais moi je pense qu'on l'est. On est des utopistes, et je crois qu'on doit être fiers de l'être. Une utopiste salvatrice, parce que ce monde à venir, si nous on n'imagine pas, qui est-ce qui va le faire? Une utopie concrète, car nous savons les solutions, elles existent. Car cette écologie des solutions, celle qui allie justice sociale et justice environnementale, c'est l'écologie que nous portons. Cette utopie, ce sont aussi des chiffres bien palpables. 45 000 emplois, c'est ce que nous pouvons créer en Pays de la Loire, si nous nous y mettons dès demain, dans des filières durables, des emplois qui font sens, des emplois au service des territoires, des emplois pour la transition énergétique, des emplois pour l'alimentation saine, des emplois bons pour la nature. Notre utopie, elle est bien concrète, mais elle est aussi à portée de main, et ça, c'est le plus important. Alors, il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours pour convaincre. Et l'écologie, c'est la réponse aux 3 grands défis du XXIe siècle. Le défi démocratique, le défi climatique, le défi de la nature et de la biodiversité. 3 jours pour continuer d'aller au-devant des habitants et habitantes de notre région. 3 jours pour aller chercher des voix qui nous manquent encore aujourd'hui. Parce qu'on le sait, dimanche soir, chaque voix va compter. Et refusons de nous laisser berner par les sondages. L'histoire, elle nous a montré qu'ils se trompaient sur les écologistes. Alors aujourd'hui, on nous dit 6%, et ben moi je trouve ça bien, parce qu'en fait, du coup, on aura forcément une bonne surprise dimanche soir, et j'adore les bonnes surprises. Ouais. Alors ayons confiance dans nos concitoyens, dans nos concitoyennes. Ils ont compris que c'était une question d'avenir de l'humanité. Et nous savons aussi, ils savent aussi, enfin peut-être qu'ils ne le savent pas ça par contre, que la planète elle va se remettre de nos inconséquences, mais que nous on aura bien plus de mal. Alors quels que soient les résultats de la COP21, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est sur les territoires que ça va bouger, c'est sur les territoires qui vont voir mettre en œuvre la transition écologique. Et la région là-dessus, elle a un rôle de premier plan à jouer. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus de temps.